le projet Grève 60 naît en fait à la base, c'est un projet d'école. Nous sommes tous étudiants et nous faisons ce projet et nous découvrons ce projet à l'école. Après l'école, trois de mes camarades, on décide de fonder une compagnie, la compagnie Aretsa, pour porter ce projet en tant que jeune. Et à un moment donné, dans notre chemin, on rencontre la compagnie Arsenic qui nous permet de réaliser ce rêve, de pouvoir faire ce projet parce que c'est beaucoup de monde et énormément de moyens. Et alors donc, nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on trouve ça très important de pouvoir porter ce message de cette histoire dont on n'a jamais entendu parler à l'école et qui témoigne de solidarité, de gens en lutte, de comment on s'organise face à un pouvoir qui n'en démord pas. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle que nous connaissons, c'est un formidable message d'espoir et de regard sur le passé qui nous aide à comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Mes chers compatriotes, la loi unique est de nature à garantir une politique d'emploi. Et dire le contraire, c'est déformer la vérité. Ce qu'on a voulu faire passer dans ce spectacle et par l'événement qui a été les grèves de 60, c'est la possibilité d'un peuple à se rassembler, à travailler ensemble contre ici des mesures gouvernementales injustes. Et on peut par exemple voir une scène, des filles de l'innovation qui décident de partir en grève. Et ça, c'est un peu une première dans l'histoire que des femmes décident de partir au front. C'est pas ridicule, tout le monde est fermé, nous devons travailler, non? Tu crois vraiment que les gens ont encore de l'argent à dépenser, toi? Si tout le monde n'y va pas, ça sert à rien, le mouvement a besoin de nous. Oui, d'ailleurs les grévistes m'ont donné ceci. Appel aux femmes. À Anglure ce matin, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient, elles aussi, aux côtés de leur époux, de leur père, de leur frère, prendre une part active et efficace à la lutte engagée. Nous devons mobiliser toutes nos forces. Les syndicats, le parti, les mutualités, les coopératives, les mouvements de jeunesse vous appellent à une forme de combat qui est nouvelle pour vous. Et il me semble que c'est important de parler de ça maintenant, au vu de l'actualité, de dire aux gens c'est possible de se rassembler, c'est possible d'écouter ce qui se passe autour de nous, de prendre conscience de ces choses-là, et d'être ensemble et d'avancer vers un mieux. Mesdames, nous sortons.